Le titre de cet album, Le Transcendentaliste, est tiré d'une conférence donnée par le philosophe américain Ralph Waldo Emerson en 1842. Cette conférence, qui a été publiée par la suite, traite d'une philosophie qui était déjà en existence à l'époque, depuis 1836, et qui a une espèce de mélange d'éléments orientaux, du bouddhisme, du romantisme, tout ce qui est contre le matérialisme. Donc, c'est des gens idéalistes et qui recherchent à creuser dans leurs propres sentiments, dans leur intuition. Et moi, pour cet album, les quatre compositeurs, que ce soit Alexandre Scriabine, John Cage, Morton Feldman ou le jeune Scott Wolchlager, sont tout à fait dans cette optique, puisque ce sont des gens qui ne croient pas forcément dans les systèmes ou des écoles, des institutions, mais qui sont un peu à l'écart, qui sont indépendants d'esprit et d'écriture. Et je voulais les rassembler sous cette bannière ou ce titre de transcendentaliste pour donner une couleur particulière à l'album.